Salut, salut, c'est Rosalys et ma maman. Et on vous propose une deuxième recette aujourd'hui, thé. Oui, de contenir avec des talons et tabous. Et là encore, c'est une création. Oui, tout c'est à moi. Alors c'est parti. Moi, j'aime bien un petit peu plus que toi. Oui, j'aime bien. Donc on a une bonne quantité du coup. Oui. Parce que celui-là, là, c'est bon pour la personne là. Ouais. Et puis tu mets le talon. Alors tout à l'heure, on fait le même. Après, tu laisses. C'est pas ça qu'il y a. Ouais. On peut garder. C'est tout le petit morceau. Un petit cube. Voilà. Je fais tout comme ça. Tu vois? On va mettre le talon et petit pois. Là, c'est que l'on coupe le petit morceau. On va cueillir de petit pois avant. Après, on met dedans. Tu fais bouillir combien de temps? Moi, je fais bouillir 3 minutes. C'est pas long, non? Le petit morceau aussi. Voilà, donc le taro aussi, on le met à bouillir avec les légumes. Le taro aussi, 3 minutes. Oui. Taro, on a 2 minutes, là, il faut battre un peu, on va faire un peu de poids. On va faire un peu de soupe. Allez, avec de l'eau froide. On va laisser maintenant, on va laisser un peu. Parfois, il faut laver. Avant de se couper à vous, c'est coupe de l'ail d'abord. Une demi-gousse. Mmh. Voilà. Moi, c'est bien qu'on crasse avant. Comme ça, tu as pour. Là. On fait ça. Ça, c'est pour une sortie automatique. Tu vois? Voilà, entre temps, j'avais plus de batterie sur mon appareil photo, donc j'ai sorti. Et là, je filme avec l'iPad Pro. Ça me fait faire une certaine gymnastique. Hein. C'est beaucoup plus lourd à porter. Non, ça va parce que moi c'est un lightning spécial. Couper un morceau comme ça. Avec. Il faut mettre normalement, il faut mettre l'île avant. Moi c'est pas le temps, c'est mettre comme ça. Plein de recettes en même temps. Petit morceau comme la tout à l'heure là. Un petit cube. Tu sais être libre. Ouais. J'aime bien écraser. De l'huile d'olive. Sauce de sel et. Sauce de soja. Sauce de soja. Et. Les sucres. Du sucre. Tout sauf sucre. Toi, t'adores le sucre. Ça donne des goûts salé, sucré. Ouais. Sinon, après, trop salé, c'est pas bon. En même temps, on met pas beaucoup, alors ça va. Allez, go. Go. Go.
pas pour donner. Celui-là, là, comme quelqu'un qui n'aime pas trop le parfum. Vous pouvez mettre maintenant. Cette boîte, c'est, il faut un petit peu doré. Ça, c'est le lit, on a avec. Du riz frais sans cuit. Ça, le cuisinier qui elle a fait le cadeau. Oui. Anniversaire de Morgane. Une cuillère à riz Kitty. Oui. Non, c'est... Ah oui, une cuillère à riz Disney. Oui. Mini. Mini. C'est quand même plus sympa qu'une cuillère à riz toute blanche, basique. Voilà. Bien sûr, c'est au Japon qu'on trouve ça. On va passer. Ça va. On va aller. C'est bon, hein? C'est un petit peu. Là, c'est tout. Ça, c'est le goût que comme vous voulez, hein. Mais ça, c'est bien un peu parce que si c'est le moment, ça y est, ma fille la goûte. Comme ça, c'est tout. Oui, c'est tout ce qui passe. À mon week-end, après, c'est pas bon aussi. C'est quelqu'un qui l'aime bien, côté poivre. Le poivre. Poivre, ça y est, n'est pas poivre. On peut mettre au fond. Là. On va mélanger avec. Tu vois, le poivre là. Normalement, on peut faire mal en l'air. Ça c'est bon aussi pour la santé là. Qu'est-ce que c'est? Bien court. Ah bon? Ouais. Oh. Ouais, on peut essayer. C'est bon pour la santé aussi, non? On va si moi il est toujours. J'ai jamais goûté. Ah si, au Japon, on ça dans une boîte de conserve. Ouvre-boîte. Ah non, c'est pas vrai. Il est comme ça. Les noix de bouillon. Au Japon, j'en ai mangé séché et salé. C'est marrant. On est même à ma tête, non, mais à quoi on fait là, tu l'as mis là. Tu vois? เป็นมันมันแล้วใส่ตัวอันเดือนนั้นมากอันนั้นคั่วเลือดแดงเข้าไปตอนนั้นเราไปห่อเป็นซัมมิซ่าก็ได้ใช่จะเป็นเส้นซักซักเส้นซักเส้นซัมมิซ่าจะเป็นดีกับเนื้อที่จะทำให้เนื้อมันดูดีกว่าแบบจางไหมนี่ยามเนี่ยยามเราต้องระวังตัวเองด้วยนะแม้จะเป็นสุขภาพของคุณคุณเป็นเด็กที่ต้องทำให้กับยังต้องทำใจละอาการจะบ่งละแต่ก็ต้องมีเขาน้ำมาวันนี้ขนาดนี้น้ำโมเข็มนะเอาไปดูในยื่นไหลอ
Wow, ça a l'air trop bon. Maintenant c'est toi qui goûte avec ma amie. Ouais. On va. Ah, c'est trop bon. มันเห็นให้เข้ามันหอมตึ้งใช่มั้ยอันนั้นมาม่านึ่งคือบีบให้มันมุนพอมันเตาหู้ล่ะอ้าบีละบ่ซี่ละพอเสร็จตัวแปลว่าอันนึ่งๆทุกละบีบอ่ะมันเฮ็ดให้มันงามเป็นตัวนี้ magnifique C'est bon. Fini. Bon recette. C'est fini. Maintenant, on va manger.